ce parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Oui, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir un nouveau sabbat. Et que disons-nous pour cela? Gloire à Dieu. C'est un jour de repos. Joie. Un jour de joie. Bien. Un jour de délices. Un jour d'allégresse. Un jour, comme dirait Émérante, Ruth, peux-tu te faire l'interprète d'Émérante? Ah ouais, elle dit souvent que c'est un coin du ciel sur terre. Amen, un coin du ciel sur terre. Un jour où nous nous retrouvons ensemble pour louer Dieu. Et c'est un jour où nous avons soif de la présence de Dieu. Nous avons soif qu'il soit là afin qu'il puisse agréer ce culte que nous voulons lui offrir ce matin. Donc nous allons lui dire ensemble, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. L'obscurité nous entoure, mais nous voulons garder la foi, être rassurés de la lumière que Dieu met autour de nous, Seigneur, par la clarté de ton amour. Nous chanterons la clarté dans un instant. Bonjour, chers frères et sœurs, et bon sabbat. Ce sabbat est celui du progrès et nous voulons vous laisser ce message d'encouragement qui se trouve dans le livre d'Apocalypse 21 et le verset 6, la deuxième partie de ce verset. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie, de l'eau de la vie, gratuitement. As-tu soif? Quelles sont tes soifs? Le genre humain éprouve diverses soifs. La soif de justice, d'égalité, la soif de joie, la soif du pouvoir, de la gloire, de la puissance, la soif de la reconnaissance, la soif de la liberté, la soif d'aimer, d'être aimé,
la soif du retour de Jésus. Quelles sont tes soifs? Veux-tu jouir d'une excellente santé sur le plan matériel, physique, spirituel, psychologique ou social? Va à Jésus. Va à la source de la vie. Son nom ne tarit jamais. Jésus peut, Jésus veut répondre à toutes tes soifs. Si tu bois de son eau, tu iras de progrès en progrès, de sanctification en sanctification, de victoire en victoire. Ce matin, Jésus réitère son offre. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous passons maintenant au moment de la prière. Veuillez prendre la position adéquate pour ce moment solennel. Prions. Notre Père Céleste, toi qui sièges dans les lieux élevés, à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, notre âme soupire après toi, notre âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, nous avons soif de ton pardon, nous avons soif de délivrance, nous avons soif de ta présence, nous avons soif du Dieu vivant. Et à l'instar de la femme samaritaine, nous sommes venus avec notre cruche pour recevoir de toi l'eau de la vie. Seigneur, entends nos voix. Nous te recommandons les internautes, les malades, ceux qui sont dans le deuil, l'affliction, ceux qui sont éloignés de toi. En fonction des situations, Seigneur, réconforte, console, bande les plaies, Seigneur, donne la foi et surtout ramène tes enfants à la maison. Nous nous approchons à grand de la fin de ce monde et plus spécialement de ton prochain retour en gloire. Fais que nous soyons prêts pour ce moment et nous te demandons, dans ta grande beauté et par ta grâce, de nous aider à marcher dans tes voies. Nous te demandons de bien vouloir nous aider à pratiquer tes lois. Et par-dessus tout, nous te demandons de garder nos vases remplis de ton eau vivifiante, de ton eau sanctifiante. Cependant, fais de généreux donateurs, parce qu'autour de nous, de nombreuses personnes décèdent dans le désert aride du péché. Alors Seigneur, mets en nous ce sentiment de générosité, de partager ton eau et surtout de participer au salut d'une âme. Nous te formulons cette prière, non que nous en soyons dignes, mais Seigneur, par les mérites de ton Fils Jésus que nous te l'adressons et que ton nom soit glorifié. Amen. Donc je disais, aujourd'hui c'est le saint jour de l'Éternel. Adorons Adonai, bénissons notre Dieu créateur, boostons notre foi en notre Dieu d'amour. Acclamons le roi des rois, tendons les mains vers lui. Oui, bien-aimé de Morija, c'est le jour du sabbat. Profitons pleinement du privilège béni que nous avons d'être ensemble dans sa maison, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Et réjouissons-nous en notre Dieu. Par ces mots, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à vous, amis,
membre de Morija et ami internaute, bon sabbat à tous, que Dieu nous bénisse tous. Ben, décidément, je voulais déjà voir la clarté, mais la clarté est arrivée. Alors que nous vivons des temps difficiles, des temps troublés, l'obscurité nous environne, mais soyons rassurés, gardons la foi. Jésus est la lumière qui brille et c'est à lui seul que nous devons regarder. Seigneur, par la clarté de ton amour.
vacances pour adorer Dieu. Et puis on s'amuse bien, on fait beaucoup de choses, on fait du sport. Et puis Amélie, on va. Et puis on s'amuse bien, on a tous des nouveaux copains. Et puis on apprend bien. Et puis c'est bien aussi. Au revoir, bonne vacances. Moi je m'appelle Olivia. Je suis allée dans le public de vacances. Pour l'instant, c'est de travailler. C'est pas vous, monsieur. J'allais faire la photo tout à l'heure. Je m'appelle Luisa Gaëtan et l'école publique de vacances est bien pour s'amuser, on fait des activités, on s'amuse bien. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 9 ans. Ce que j'aime dans l'école publique des vacances, c'est qu'on peut faire des activités, qu'on peut s'amuser. Qu'on peut apprendre des choses. Je m'appelle Sophia et je viens de vacances. Je m'appelle Esther, c'est une école de vacances, c'est trop bien, on s'amuse. Je m'appelle Céline Rigoux, j'aime bien l'école publique de vacances. On fait des activités manuelles, c'est trop bien. Bonjour, je m'appelle Samuel, donc je travaille comme ville de vacances. Ça se passe bien avec l'activité. On apprend l'histoire de Dieu, donc ça nous instruit, et voilà. Je m'appelle Marc et j'aime beaucoup l'école de ville de vacances. C'est super, on fait des activités et tout, on fait du sport. Je m'appelle Alexis Maroulani et à l'école de ville de vacances, j'aime trop quand on joue, on s'amuse, on joue à la récréation, on mange du thé. Bonjour, je m'appelle Sandro Fréjus et je suis dans l'école biblique et j'adore quand on joue et on travaille et on apprend. Bonjour, je m'appelle Giovanni Cidra et je suis dans l'école de Volga. J'avais laissé dedans. Oui, elle avait. Donc, Première question à Arlène Tonfil par Olivia. Alors, madame Arlène Tonfil, l'école publique de vacances est-il un centre de loisirs? Si oui, quelle est sa particularité? Alors, sa particularité est d'instruire les enfants, premièrement, spirituellement, et deuxièmement, qu'ils aient des loisirs en travaux manuels, en jeux et tout ce qui pourrait les intéresser. Et les conduire, notre but est la spiritualité. Rappelez-nous le nom. Oui, je suis.
zombie sauvage. Alors, tous les compagnons qui se trouvent dans la salle sont invités à se réunir dans la salle des tisons. Merci. Nous, les adultes, nous allons un peu débattre de la leçon de ce trimestre. Ça ne fera pas seulement celle d'aujourd'hui, mais nous allons un peu parcourir le questionnaire et rappeler les faits marquants de ce trimestre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous lisons notre Bible et que nous ouvrons notre Bible au premier chapitre de la Genèse, nous voyons Dieu qui prend la décision de créer la terre, l'homme. D'accord ? Faisons l'homme selon... Vous savez, ils ne sont pas là. Et comme moi-même, j'ai trempé. Vous voyez, je suis déjà trempé. Donc, je n'ai pas peur de vous, non? Encore moins de la situation. Faisons l'homme à notre image. Et puis, nous lisons que quotidiennement dans la création, tout était bon. Tout était même parfait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça qui arrive à nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que nous nous trouvions dans un monde où l'un ne supporte l'autre, où nous sommes rivaux pour des trois fois rien, où nous sommes accablés, nous sommes malades, nous mourons, nous ne vivons pas de la vie de Dieu qui a une vie éternelle, nous avons une vie limitée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au troisième chapitre de la Genèse, nous lisons quoi? Alors, l'accent est mis sur Ève, mais j'ai lu quelque peu quelque chose qui m'a un peu recadré. Ève, se baladant dans ce beau jardin, à nul autre pareil, imaginez des oiseaux en quantité, des couleurs, que nous ne pouvons pas traduire aujourd'hui parce que tout le monde nous blafarde. Mais quand même, ici sur Terre, nous avons... un point, au moins la notion de ce qui est beau. Parce que nous avons ça en nous et nous recherchons tous ce qui est beau, ce qui est parfait, ce qui est équitable, ce qui est respectueux. Ève, se baladant, disais-je, ne se rendit pas compte qu'elle s'est directement conduite là où il ne fallait pas. Quand on dit c'est grand monde, c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire, on va faire. Elle se retrouve au milieu du jardin. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu du jardin? Il n'y avait pas l'arbre seulement, il y avait deux arbres hein, au milieu du jardin. Mais subrepticement, elle se rendit vers l'interdit. Le jour où tu en mangeras, elle ne sait pas ce qu'est la mort. Aujourd'hui,
Enfin, il n'est pas deux semaines où nous ne sommes pas confrontés à la mort ici. Parce que notre Église a vieilli. Et nos aînés, eh bien, Dieu les endort pour attendre son retour. C'est vrai que nous pleurons, mais heureux dès à présent, je vous rappelle, ceux qui meurent. Puisque ça, nous, quand c'est un chemin, nous tous les prenons. Ève. Alors moi, quand Dieu avait fait passer tous les animaux du jardin devant eux, aucun n'était semblable à eux. Aucun ne parlait, ne pensait. Ils étaient les seuls à avoir ce don, la parole. Et puis brusquement, un serpent qui a sorti, là il sortit, et puis il a parlé, et puis il n'a pas parti. Moi, je n'ai pas parti. Je n'ai pas arrêté parce que en soi, c'est impensable. Il n'y avait pas encore. Ah non, ce n'est pas la peur. Aujourd'hui, je parle de peur parce que nous connaissons la peur. Mais ils avaient été avertis quand même, mon frère. Avertis que le malin était rusé et qu'il allait vouloir les tromper. Un homme averti en vos dieux, disait ma mère. Ah. Vous cherchez, vous trouvez. Ah, ça c'est mort, c'est un qui a dit ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On converse, elle se met à converser. Hein? Rien d'étonnant à cela. Elle converse avec le serpent. Mais elle ne converse pas de tout. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu attend une chose de sa créature, c'est qu'elle obéisse. Qu'elle le respecte, qu'elle l'honore. C'est ça, Dieu. Et puis, Dieu n'est pas Samuel. Dieu, c'est un feu dévorant. Là, il a où sa vie là. Là, il a où sa vie là. Parce que c'est toute la gloire de Dieu qui se déplace avec lui. Quand Ève se plut à discuter avec ce malin, il parvint à orienter le débat. Il parvint à installer le doute. Et puisque le doute était là, elle en fut presque convaincue, puisqu'elle alla, elle en prit, alors que le serpent en mangeait aussi, hein, rien pas arrivé, monsieur. Et puisque rien pas arrivé, ça rien pas arrivé, moi. Puisque l'exemple vient d'en haut, on dit, hein, si mon père fait une mauvaise action, moi, le nouveau venu, je perpétue cette nouvelle action, mauvaise action, et puis rien ne m'arrivera. Mais il y a toujours une loi qu'on enfreint. Et nous sommes condamnés parce que nous enfreignons la loi. Quelle loi elle va transgresser là? Quelle loi elle a transgressée, puisqu'on parle de loi? Tu ne con. Elle vit que le fils était bon à manger et prompt à ouvrir l'intelligence. Alors, quand elle fut tentée, elle alla vers son mari. Le texte dit, elle en donna à son mari qui en prit et en mangea. Mais quand on lisons un peu l'esprit de prophétie, elle alla vers son mari. Et ce dernier, sans réfléchir à ses injonctions, à ce qu'elle disait, prit et en mangea. C'était lui le géniteur. Hein. S'il n'avait pas pris, rien n'était arrivé, non. Mais il en prit, il en mangea. Et par la suite, quand Dieu, vers le soir, descendait dans ce jardin pour converser avec eux, et qu'il ne les vit point, il appela Adam. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché car j'étais nu. Alors Dieu de poser la question. Quelle question Dieu pose? Qui t'a dit que tu es nu?
Aurais-tu? Non, la femme que tu m'as donnée, attention, c'est depuis ça nous fort. C'est depuis ça nous venir fort. Non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné et j'en ai mangé. Et alors, la femme pas plus faible. Hein? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ah. Et c'est là que toutes les promesses de Dieu qui sont énumérées dans le questionnaire nous seront profitables si nous croyons, si nous acceptons. Parce que Dieu veut nous sauver. Dieu est un Père aimant, un Père compatissant, un Père, on dit ça, riche en bonté et en fidélité. Et Dieu n'allait pas nous abandonner là. Il aurait pu recréer un Adam et une Ève, non? Il n'aurait pas pu faire ça? Mais il choisit. Il élabora. Enfin, il mit en exécution, dirais-je, un plan qu'il avait déjà prévu. Mais autres qui disent, mais Samuel, quoi faut-il faire? Si t'es prévu, ça a été pour éviter ça. Comment servir un Dieu par crainte, sans libre arbitre? Nous avons besoin de cette... Nous sommes libres, hein, de choisir. Puisque nous sommes pleinement libres en Jésus. Maintenant, nous disons ça, nous acclamons ça. Mais allez, dans le contexte, Dieu préfère que nous agissions par amour et par obéissance. Nous avons tellement confiance en lui que quoi qu'il dise, nous obéissons. Alors, je vais prendre des thèmes parce qu'ils sont nombreux. Nous allons parler d'alliance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, une alliance? C'est pas tard, il y a d'autres là, nous les marier. Alors, mariage. Pour qu'il y ait mariage, comment ça se passe? Oui, deux. Mais à présent, ni deux. Nous embarrasser, puis ça fait deux, hein, c'est quoi, dis-moi ça? Parce que, il y a deux, et il y a marié pourtant, et pourtant, il y a du même sexe. Alors, pas dis-moi deux. Un homme, une femme, qui ont choisi de cheminer ensemble. D'accord? C'est ça. Ils ont choisi de cheminer ensemble. Et ils font tout pour cheminer ensemble. Ce n'est pas depuis la pique à tomber, pour chaque monde là prend feuille tolli et puis comprendre qu'il y a les problèmes là. Hein? Oui, mais nous ne sommes pas encore au baptême. Nous sommes à l'alliance même. Après, nous faisons alliance avec Dieu. D'accord. D'accord, on fait alliance avec Dieu. Mais nos couples ne tiennent pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est l'alliance qui est mal conçue ou quoi? Hein? L'alliance a comme synonyme là l'amour. Non, restez tranquille. L'amour. Si ce n'est pas fondé sur l'amour, comment ça peut persister? Comment? Comment? L'amour entraîne fidélité, entraîne... alors, 1 Corinthiens 13, hein? Je ne vais pas résumer pour vous 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est ça l'amour, hein? Ce n'est pas l'amour que tu m'as fait ça, je te fais ça. Enfin, ce n'est pas la leçon du jour. Mais l'alliance veut que je sois respectueux de l'ordre établi, des principes établis. J'adhère à un principe que Dieu édicte. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne. Donc, je me fais un devoir d'obéir. Alors, peut-être que vous n'aimez pas obéir, mettre en application, peut-être ça renforce moins ce monde. Nous mettons en application les principes édictés par Dieu. Et puis nous voyons dans notre cheminement que quand bien même que des difficultés surviennent, mais nous avons de la ressource. Parce que Dieu saura nous éclairer, nous donner la formule. Ce n'est pas une baguette magique, hein?
nous y réfléchirons, puisque la sagesse, c'est un don de Dieu, que je sache. Et Dieu pourvoira à nos besoins, puisqu'il a promis ça aussi. Alors, vous vous souvenez de l'histoire. Dieu fit alliance d'abord avec... Il fit alliance avec Adam et Ève. Alors, rappelez-moi cette alliance. Je mettrai une inimitié entre ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Mais il y a Noé aussi qui intervient. Le mal était tellement développé que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Vous imaginez ça? Un Dieu tellement prévoyant et avec une connaissance telle, regretta d'avoir créé l'homme. Parce qu'il fallait les chercher, peut-être sur une main, ceux qui restaient fidèles à Dieu et qui le recherchaient de tout leur cœur. Si bien que le déluge, Dieu choisit Noé pour avertir. Ouais. Dieu il avertit toujours. À Israël, Dieu va rappeler toutes les bénédictions qu'ils auront s'ils restent fidèles. Mais aussi toutes les malédictions qui s'enchaîneraient s'ils s'éloignent de lui, s'ils ne le servent pas. S'ils se tournent vers les idoles. Alors aujourd'hui, me direz-vous, nous n'avons pas d'idole. Mais notre moi est tellement fort qu'il y a concurrence, c'est bon Dieu. Hein? Notre moi ne se soumet pas à Dieu. La chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu. Et à cause de cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous n'y des éclairs aussi qu'on bon matin, mais il y a bon matin, pas tenir éclairs aussi. Hein? Notre vie est jalonnée de catastrophes. Est jalonnée. Un jour, nous sommes forts, un autre, nous sommes frêles et nous tombons. Alors, Noé aura charge de rappeler aux humains là. D'alors, ces hommes avaient un mental qui différait du nôtre, hein, parce qu'ils étaient issus d'Adam. Ils étaient d'une grandeur. D'après la bibliothèque, ils vivent 900 ans. Et moi, c'est à peine si on peut faire 70 ou 80. Et puis pour les plus robustes, il y a des robustes. Hein? Mais ils ne tirent que peine et misère. Ça triste. Hein? Noé pendant 120 ans. Alors, qui c'est qui a dit? Je n'entends pas, tu es trop loin. Il est là. Bon, je voulais dire quelque chose. Jésus ne pense pas au mal. Et c'est pourquoi il a dit aussi, il a peur d'avoir aimé l'homme. Satan est venu, il a mis son grain de sel. Mais il ne savait pas le plan de Jésus-Christ. Alors Jésus savait son plan pour acheter l'homme à la main de Satan au prix de son sang, l'homme et femme. Et bientôt, il revient. Merci, mon frère. Merci. J'ai pas compris. Noé, disais-je, comment j'ai commencé à venir vieux, je m'en perds le fil. Hein? Alors, aidez-moi. Qui c'est? Aidez-moi aussi. Alors, Noé, pendant 120 ans, prêcha que Dieu fera venir un déluge qui détruirait toute la terre. Oui, je dirais deux mots, pas plus. Quand tu as dit que. Quand tu as dit que Dieu a dit qu'il a regretté de faire l'homme, c'est pour une raison. Parce que Dieu.
Parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de sincérité et fidélité. Ce Dieu qui nous a créés, parce qu'il avait parlé à Adam. Il avait dit à Adam, il lui donne tout dans le jardin, il peut manger tout sauf un. Et Adam n'a pas obéi, Ève est partie dans le jardin. Et quand elle est partie dans le jardin, le serpent est venu la séduire. Et quand le serpent est venu la séduire, et puis elle a donné à son mari. Et quand son mari a mangé, il s'est trouvé tout nu. Et quand il s'est trouvé tout nu, Dieu savait son plan. Dieu l'a appelé, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, je suis caché parce que je suis nu. Dieu lui a dit comment il savait qu'il était nu. Il a accusé Dieu et la femme, il a dit à Dieu, la femme que tu as mis à côté de moi. Et donc auquel Dieu lui avait parlé. Alors mon frère, il faut comprendre, ce que nous subissons là maintenant, ce sont les œuvres d'Adam et Ève. Qui ont fait du n'importe quoi. Bon Dieu pâté et machin à la Louvain. Oui, mais depuis, qu'est-ce qu'avons-nous fait de mieux? Qu'avons-nous fait de mieux? Qu'avons-nous fait de mieux? Qu'avons-nous fait de mieux? Il faut quelquefois œuvrer des années avant afin que quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur personnel. C'est un combat de tout le temps, oui, pour que ces âmes, ces hommes, ces femmes comprennent que la terre créée par Dieu aura un terme un jour. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait la terre, le ciel, la mer et tout ce qui est contenu. Dieu un jour demandera des comptes. Comment pourrions-nous résister après un si grand salut proposé par Jésus-Christ? Et le déluge est arrivé et a tout détruit. Mais les descendants de Noé, après le déluge, s'éloignèrent aussi tout autant de Dieu. Ils s'éloignèrent de Dieu. Si bien que vous avez l'exemple de Babel. Ils voulurent faire une tour qui alla au-delà du ciel. En d'autres termes, investir le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dut descendre, les confondre. Et puis je dis, je ne parle pas les créoles, français, allemand, anglais, tout ça. Hein? Parce que nous nous éloignons toujours de Dieu quand lui, il n'a qu'une quête, un désir, nous sauver. Dieu veut nous sauver. Dieu est amour, Dieu est notre créateur. C'est lui qui peut nous sauver. Et en la personne de Jésus, il a choisi de venir, ce Jésus, de revêtir notre humanité pour nous sauver, pour nous transformer, pour que nous soyons à même. Parce que c'est lui, notre représentant auprès du Père, qui intercède en notre faveur en permanence. Malgré ça, nous raide. Nous nous rappelons toujours d'Israël, comme si c'était une référence. Mais c'est justement éviter les pratiques d'Israël. Israël se cantonnait derrière la descendance d'Abraham. Mais ne savez-vous pas que de la descendance d'Abraham, les pierres, Dieu peut susciter, comme il disait, une descendance à Abraham. Ce sont ceux qui ont foi en Jésus, qui obéissent, qui sont descendants d'Abraham. Si nous sommes des chrétiens passifs, si nous sommes des chrétiens qui acceptons d'une manière timorée Jésus du bout des lèvres, ce genre de chrétiens-là, eh bien, ne reflète pas la gloire de Dieu. Ce genre de chrétiens ne réalise pas que Jésus a quitté son ciel, est venu ici-bas, hein, est mort afin que son sang nous lave et nous purifie de tout péché. C'est par Jésus et son sang que nous sommes pardonnés, absous de tout péché. Ça ne veut pas dire que nous serons sauvés dans le péché. Hein. Je regrette pour ceux qui font la digression. Nous serons sauvés du péché, mais pas dans le péché.
Alors, mettons bon ordre à nos affaires. Faisons introspection et demandons Dieu de transformer ce cœur si difficile. Demandons à, que notre prière soit « Seigneur, fais de moi ton serviteur d'exception pour t'aimer, t'obéir et puis rendre un témoignage de toi. » Parce que sans le témoignage, nos frères de l'extérieur ne comprendront pas que nous servons un Dieu si aimant. C'est nous, nous qu'on dampite. Comment comprendre que nous aimons Dieu? Non, ça c'est d'élève. Mais Dieu désire des hommes qui le représentent dignement, des hommes remplis de son esprit et puis qui ont à cœur de partager. Et c'est pas faim, on pas faim seulement du pain. Nous avons faim de la parole de Dieu. Alors, donnons à Dieu cette opportunité de nous transformer. Ainsi, nous aurons la prétention de transformer les autres. Jamais avant. Que je sois transformé. Et ensuite, je pourrai aller vers l'autre. Et espérer qu'il accepte d'être transformé. Que Dieu vous bénisse. Le trimestre a pris fin. Nous passerons à autre chose. Mais soyez toujours studieux de la parole de Dieu. Quelque chose de nouveau et d'excitant se produisait sur le campus de l'Université Adventiste du Venezuela. Les étudiants et les professeurs du département de théologie voulaient faire quelque chose pour avoir un impact durable sur leur entourage. En 2016, ils ont ouvert le centre linguistique, donnant ainsi aux étudiants universitaires accès à l'apprentissage de l'anglais, du portugais et du français. Les compétences linguistiques étaient très demandées. J'ai eu le privilège d'assister à la création du Centre des langues et d'organiser le contenu des cours qui y étaient dispensés. C'était un grand défi. Mais avec le soutien de mon équipe de professeurs, nous avons pu avancer dans l'accomplissement de la mission. Ce centre d'influence a depuis évolué et ouvre maintenant ses portes à toute la population. Mais beaucoup ne sont pas familiers avec le message adventiste. Pendant un an, j'ai enseigné l'anglais au Centre des langues. Par la suite, j'ai reçu la responsabilité de coordonner les centres des langues. En 2019, nous avons reçu beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas croyants. Nous avons donc créé quelques stratégies pour les atteindre et partager l'évangile avec eux. Un centre d'influence est le moyen le plus efficace de présenter l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Christ. C'est un moyen facile de montrer aux autres le chemin à travers votre style de vie. Les cours comprennent des dévotions et des discussions spirituelles qui ont piqué l'intérêt de certains étudiants. L'une des choses les plus excellentes du cours que le professeur Antoine nous a transmis est la semence spirituelle qu'il a semée dans chacun de nos cœurs. Cela m'a aidé dans mon développement personnel, social et relationnel avec d'autres personnes. Les moments spirituels de réflexion biblique m'ont aidé dans ma vie spirituelle. Je décrirai l'expérience au centre linguistique comme une opportunité qui m'a motivée à continuer à apprendre l'anglais. Grâce à toutes les valeurs qu'ils m'ont données, je peux maintenant communiquer en anglais avec les États-Unis. En 2020, malgré les difficultés causées par la pandémie, le centre d'influence a continué à donner ses cours en ligne à 138 étudiants, dont 16 non-adventistes. Ce centre d'influence continuera à travailler pour atteindre les laissés pour compte. Comme l'école ne cesse de s'étendre, elle doit s'adapter à des changements constants et à la demande croissante. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera cette université et d'autres dans la région interaméricaine à développer davantage les centres d'influence.
Le centre d'influence de l'IUNAV invite les membres de l'église adventiste du 7e jour à contribuer généreusement à l'offrande du 13e sabbat et à soutenir le développement des projets missionnaires dans cette région du monde. Merci pour votre gentillesse. Et IUNAV, on y va! Les observateurs de la nature constatent que la fleur se tourne tout naturellement vers le soleil. Et nous, lorsque nous savons qui contrôle ce monde, nous aussi, nous devrions nous tourner tout naturellement vers notre Dieu. Et nous devons lui dire, Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. C'est vers toi que je me tourne. Je lève mes yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que l'Éternel bénisse ta parole. Père éternel, Dieu trois fois saint, quel privilège que de nous retrouver en ce lieu, en ta présence. Ta présence réjouit nos cœurs, et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous unir pour te louer, te psalmodier, t'exalter. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous remplisse et qu'il nous nourrisse en ce matin. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour les dîmes et les offrandes. Prends-moi dans tes bras d'amour. Sous ton aile, je veux m'abriter. Prends-moi dans tes bras d'agneau, Seigneur, et remplis-moi de ton Esprit Saint. Prends-moi dans tes bras d'amour. Ah!
Bonjour, mes chers amis. Je suis très heureuse de vous voir tous. Durant ce mois-ci, je vous ai toujours parlé à travers la Bible. Vous savez, les enfants, vous devez dire à vos parents de vous lire la Bible. Parce que durant ce mois, nous avons vu que Dieu nous donne la responsabilité de témoigner son amour, de lui faire confiance, comme Nicodème, comme David, qui a manifesté la bonté de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Naboth et d'Akab. Comment, mes amis, il faut faire attention. Nous pouvons choisir de manifester la bonté de Dieu, mais aussi parfois ça arrive que parfois on ne veut plus écouter Dieu. Et si on ne veut plus écouter Dieu, ça devient très dangereux. Naboth habitait à côté de chez Monsieur Akab. Et Monsieur Akab, c'est un grand monsieur. Il est riche. Il a beaucoup de terrains et entre autres, des terrains de vignes. Il a toutes sortes de choses. Mais voilà qu'il regarde chez Monsieur Naboth. Il voit que chez Monsieur Naboth, il y a quelque chose qui l'intéresse. Il veut la vigne de Monsieur Naboth. Il va voir Monsieur Naboth et lui dit, Monsieur Naboth, est-ce que vous pourriez me vendre votre terrain? Et même, si vous ne voulez pas me vendre, je peux même vous donner votre terrain de vigne et je vais vous donner une plus belle vigne. Alors Monsieur Naboth regarde Monsieur Akab et lui dit, ah non, mon ami, je ne vais pas te donner mon champ. Parce que c'est mon papa qui m'a donné. Ça appartient à mes parents depuis très longtemps. Donc, non, je ne vous le donne pas. Alors, Monsieur Akab n'est pas content. Il rentre chez lui. Il se couche sur son lit comme un enfant gâté. Il se tourne. Et puis, il ne veut pas manger. Il boude dans son coin. Alors, Madame Jézabel arrive et lui dit, « Mais, Akab, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi tu te comportes ainsi? » Il dit, « Je suis allé voir Naboth et puis je lui ai demandé de me vendre son terrain et il m'a dit non. » Alors, là, sa femme lui dit, « Mais, ce n'est pas toi qui es le grand responsable. Ce n'est pas toi qui es le chef d'Israël. Eh bien, ne t'inquiète pas. Lève-toi. Viens manger. Je vais m'occuper de cette affaire-là. » Et puis, Akab se lève. Et Madame Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écrire une lettre. Et puis, elle va dire aux magistrats, aux anciens, les gens de la ville où habite Naboth, vous savez, vous allez faire quelque chose pour moi. Vous allez choisir des méchants hommes et vous allez mentir sur Naboth. Vous allez dire qu'il a dit des choses mauvaises sur Akab. Et c'est ça que les gens vont faire. Ils vont convoquer Naboth. Ils vont le mettre devant le tribunal. Et puis, ils vont dire des mensonges sur M. Naboth. Et dans cette ville, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas la peine de mort ici. Mais dans le pays où habitent M. Akab et M. Naboth, il y a la peine de mort quand tu fais quelque chose de contraire à un responsable. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Les gens ont décidé de mettre à mort M. Naboth. C'est quelque chose de méchant, n'est-ce pas? Très méchant. Alors, quand ils ont mis M. Naboth à mort,
Ils sont venus voir Madame Jézabel, lui a dit, maintenant Monsieur Naboth est mort, nous avons fait tout ce que tu nous as dit de faire. Et Madame Jézabel est contente. Elle va voir Monsieur Akab et lui dit, voilà, tu peux aller dans le champ de Monsieur Naboth, il est mort, tu peux le prendre maintenant. Alors, il est content. Il va dans le champ, il regarde. Il se promène. Il est content. Mais voilà, il y a un homme que Dieu va lui dire, va voir Akab. Et tu vas lui dire, n'es-tu pas un assassin? N'es-tu pas un voleur? Tu as incité le peuple à faire ce qui est mal. Et parce que tu as fait ceci, tu mourras. Et quand tu mourras, les chiens vont venir lécher ton sang. Parce que c'est ce qui est arrivé à Naboth. Mes enfants, mes amis, il faut savoir que quand on connaît Dieu, quand on connaît sa parole, que Dieu nous dit de ne pas convoiter, de ne pas être jaloux. Quand Dieu nous dit ses principes, c'est pour que nous manifestions la bonté de l'Éternel, non pas pour faire ce qui est mal. Parce qu'il y a des conséquences quand nous faisons ce qui est mal. Alors, mes bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas parfaits. Je ne peux pas vous condamner parce que je ne suis pas mieux que vous. Mais aujourd'hui, Dieu nous a laissé ses paroles dans la Bible pour que nous puissions nous mettre à genoux et demander à Dieu pardon, de changer nos cœurs mauvais. Alors je vais vous chanter ce petit chant. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tu es mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alors mes amis, mes petits amis, mes grands amis, quand vous savez que vous avez quelque chose qui n'est pas bien et que Dieu vous interpelle, demandez à Dieu pardon et demandez aussi à Dieu de changer votre cœur, car Dieu entend, il comprend. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Chers amis, frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je vous salue fraternellement en Jésus. Amen. Amen. J'ai entendu juste un petit amen timide devant. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai beaucoup apprécié les histoires que nous raconte notre sœur Luyap. Je pense qu'aussi vous prenez beaucoup de plaisir à revisiter ces histoires de la Bible qui nous enseignent, qui nous édifient, qui nous encouragent, qui nous instruisent. Ce matin, il me revient de partager avec vous le pain de vie et j'espère que vous êtes affamés. J'ai entendu un oui là dans la salle. C'est toujours pour moi un privilège que de me tenir devant vous, mais aussi une grande responsabilité.
Et croyez-moi, je prends très au sérieux cette charge. J'espère que vous avez passé donc une bonne semaine, que Dieu vous a visité et que vous avez surtout passé du temps avec lui. Parce que ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le Seigneur a besoin que nous puissions passer du temps en sa présence. Car le Seigneur, il reste peu de temps, mes amis. Comme tout à l'heure, notre sœur a dit, elle a cité le texte de l'apôtre Pierre, Dieu use de patience. Mais pourquoi ? Parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore à la stature parfaite de Christ. Mais ce temps, nous devons le mettre à profit pour, comme Marie, aller à ses pieds et nous laisser instruire, éduquer, transformer. C'est maintenant, mes amis. Plus tard, ce sera trop tard. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est maintenant que nous devons passer ce temps au pied du Seigneur. Qu'il y ait Covid ou pas Covid, de toute façon, les temps vont devenir extrêmement difficiles et de plus en plus difficiles. Le Seigneur nous dit, il ne nous cache rien, dans Jean chapitre 4, 14, voilà ce qu'il dit. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc le Seigneur nous avertit, il nous dit d'avance un certain nombre de choses, des difficultés qui vont arriver, non pour nous stresser ou nous mettre en peur ou dans la crainte, mais afin que lorsque ces choses arriveront, nous croyons, parce que le Seigneur a eu la sagesse, l'amabilité, la miséricorde, la bonté de nous instruire, de nous avertir. Ce matin, nous allons parler de la connaissance de Dieu. C'est vrai que ce thème, je partage souvent avec vous, enfin quasiment systématiquement, le fruit de mes propres réflexions personnelles. Ça veut dire que quand je me tiens devant vous, je me parle premièrement. Je m'interroge et j'essaie avec Dieu de trouver des réponses à ces interrogations. Et j'espère en partageant avec vous que cela vous aide vous aussi à vous questionner et à vous remettre en question votre position, si tant est qu'elle mérite d'être revisitée. Le texte de base que je vais utiliser se trouve dans Osée, au chapitre 6 et au verset 4. Osée, chapitre 6, verset 4. Voilà ce que déclare le prophète. Osée 6, verset 3, pardon. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je reprends ça. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Inclinons nos têtes. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous inclinons devant toi, devant ta grandeur, ta majesté, ta toute puissance, ton omniscience, mais surtout ta grâce, ton amour, ta miséricorde à notre égard. Car Seigneur, à qui irions-nous sinon à toi? Tu nous promets, Seigneur, tu nous fais les plus belles promesses et nous savons que tu accomplis toujours ce que tu promets. Tu l'exécutes par la puissance de ta main. Merci Seigneur de nous visiter en cet instant et de nous remplir de cette nourriture céleste qui nous permettra de traverser les moments difficiles. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Ce passage nous invite à connaître Dieu. Nous vivons dans un monde où tout va vite.
La connaissance est accessible. Il suffit d'aller sur Internet, de taper sur Google et vous pouvez accéder à toutes les informations, les domaines scientifiques, les technologies, les innovations. Tout est accessible. Il suffit d'ouvrir la télé, vous avez les médias qui vous apportent des informations diverses et variées. Certaines utiles, d'autres moins. Mais ces informations viennent à vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine. Ces informations viennent à vous. Et étant inondé d'informations de toutes sortes, la question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous trier ? Parce que là, on se retrouve un peu embarrassé avec une quantité, un volume d'informations qui viennent à nous parfois à l'insu de notre plein gré, parce que nous sommes là et l'information arrive à nous, à nos oreilles, à nos yeux. Mais comment trier ? Et je pense que c'est une question importante. Comment faire le tri ? Comment faire cette sélection ? Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et nous allons considérer un point. Luc chapitre 10, verset 40. Nous allons lire rapidement à partir du verset 38 pour planter le décor. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, t'inquiète et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En fait, dans tout ce flot d'informations, qu'est-ce qui est nécessaire? Parfois, nous passons plus de temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur je ne sais quoi encore. Peut-être que c'est utile. Mais Jésus dit ici, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais combien sont nécessaires? Une seule. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons nous poser cette question, nous interroger notre fonctionnement et nous demander, est-ce que nous savons gérer nos priorités? La position de Marie ici doit nous enseigner. Marie était où? Au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait sa parole. Autrement dit, elle faisait grandir sa relation avec le maître. Marthe était certes occupée à des tâches domestiques, évidemment utiles, mais la gestion des priorités, c'est fondamental. En ce moment où le maître, le Seigneur, était présent, ce n'était pas la priorité. Donc, la même question se pose à nous. Savons-nous gérer nos priorités? Où plaçons-nous nos priorités? La Bible déclare que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor de Marie était tout près d'elle. C'était Jésus. Où est mon trésor à moi? Est-ce que c'est Jésus? Et si oui, est-ce que c'est juste une déclaration, c'est déclaratif? C'est de l'incantatoire? Ou est-ce que véritablement, je démontre par ma vie quotidienne cette proximité avec Jésus? La question de connaître Dieu, mes amis, aujourd'hui, dans ma réflexion,
je suis arrivé à la conclusion que c'est fondamental. Et c'est pourquoi j'aimerais partager avec vous ces quelques minutes de réflexion. C'est fondamental. Et quand je parle de connaître Dieu, je parle dans le sens idiomatique. C'est-à-dire que dans les Juifs utilisaient des expressions du langage pour exprimer certaines choses. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Ça s'appelle un idiome. Mais quand, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il est dit « Adam connut Ève », nous savons tous ce que ça veut dire. Ce n'est pas la connaissance. Il avait déjà vu celle qui est os de ses joues et chair de sa chair. Il l'avait déjà vu. Ce n'est pas de cette connaissance-là dont il est question ici. Mais c'est une connaissance par l'expérience. C'est une connaissance profonde, étroite. Mais c'est de cette connaissance dont il est question ici. C'est de ça dont je veux vous parler. Pas savoir des choses sur Dieu, mais connaître véritablement Dieu. Et là, il s'agit d'un enjeu fondamental, mes amis, fondamental. Rappelez-vous de ce que dira Jésus dans Matthieu chapitre 7. C'est fondamental. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dira à ceux qui lui diront, mais n'avons-nous pas chassé des démons de ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Au verset 23 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, nous lisons, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, cette connaissance doit aller dans les deux sens. L'enjeu, c'est nous, est-ce que nous connaissons Dieu? Et est-ce que Dieu nous connaît? Dans le sens, est-ce que je lui appartiens? Est-ce que je suis son ami, son enfant? Est-ce que j'ai cette relation de proximité avec lui? C'est ça l'enjeu, mes amis. Et nous verrons que derrière cet enjeu, il y a des éléments qui sont cruciaux. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Il y a des éléments cruciaux. Quand on regarde la Genèse, on ne va pas lire tous les passages, mais vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu les a placés à son école pour les former, les éduquer, les instruire. Oui ou non? D'accord. Que s'est-il passé? Au chapitre 3, voilà ce que nous lisons. Le serpent était, au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ha! Au verset 4, nous lisons, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez ce qui se passe ici? Satan, alors que Adam et Ève sont à l'école de Dieu, le projet de Dieu, c'est de les former, de les instruire, de les éduquer. Donc, ils doivent grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Tout ce qu'ils voient, et même ce que leurs yeux ne voient pas, ce qui est microscopique, certes, ils ne voient pas de leurs yeux, mais tout ça, ça a été créé par Dieu. Donc, en fait, fondamentalement, je découvre Dieu dans tout. Ils sont à l'école de Dieu et à l'école de la connaissance et de l'apprentissage de qui est Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Satan vient et il, en fait, déforme la perception qu'Ève a de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, Dieu n'a pas qu'à dire la vérité. Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, non, il ne vous dit pas tout. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train d'altérer la perception qu'Ève a du caractère de Dieu.
Et c'est ce qu'il est en train de reproduire. Il cherche à reproduire chez Ève, certes avec succès, sa propre expérience au ciel. Sa jalousie, son orgueil, ses mensonges ont complètement déformé sa perception de Dieu. Et forcément, il sait que quand quelqu'un arrive à changer votre perception de Dieu, cette personne vous met sur le chemin de la rébellion, sur le chemin de la révolte, sur le chemin de la séparation, sur le chemin de l'autonomisation vis-à-vis de Dieu. Il le sait. Et dans sa démarche astucieuse, il tente de faire la même chose, mais il va réussir. Adam et Ève étaient en formation. Le plan de Dieu, vous savez, ce que je trouve extraordinaire, quand vous lisez la Bible, vous comprenez que c'est de l'Éden en Éden. Genèse, Éden. Quand vous allez dans Apocalypse, Éden. Ça veut dire que le plan de Dieu a été interrompu par le péché. L'homme a pris son indépendance, s'est séparé de Dieu. Dieu n'a pas fini son cursus de formation. Et je vous dis entre parenthèses, il y a deux choses qui ne vont jamais cesser de croître dans l'éternité. Vous savez c'est quoi ? La connaissance de Dieu et l'expérience de l'amour. Mais en réalité, c'est qu'une et même chose. Parce que Dieu est amour. Donc la connaissance de Dieu, c'est l'expérience de l'amour. Donc en fait, pour l'éternité, nous allons grandir dans l'expérience, l'expérimentation de l'amour. C'est un enjeu fondamental. Si c'est si important, si Satan interrompant le programme de Dieu, Dieu refait l'Éden. Apocalypse. Ensuite dit, je reprends le cursus de formation. Entre-temps, sur terre, bien évidemment, Dieu nous a mis la parole. Après nous avoir parlé par les prophètes, dans ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Il nous a en plus donné son Saint-Esprit. Donc, il continue cette formation, mais nous sommes handicapés aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous voyons de manière obscure, comme à travers un miroir, ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que nous avançons par la foi. Ce que nous connaissons de Dieu, c'est par la foi. Mais viendra le moment où nous le verrons tel qu'il est. Mais pour l'instant, ça reste obscur. Parce que je ne vois pas Dieu. Mais je marche par la foi. Je crois. Je crois en ce que je lis. Je crois en ce que me dit le Seigneur. Donc ça reste en quelque part obscur. Je suis au vol des textes pour ne pas les considérer avec vous, mais vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 13. Pour gagner du temps. Vous avez compris. Pour ceux qui veulent la référence, je vois que Mirette note, je vais te donner le verset. 1 Corinthiens 13. Rapidement. Voilà, 1 Corinthiens 13, au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous voyons ici la notion de connaître comme j'ai été connu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la manière dont Dieu nous connaît, ce n'est pas la manière dont nous le connaissons. Mais viendra le moment où je connaîtrai Dieu comme il me connaît. Mais qu'est-ce qui fera qu'à ce moment-là, Dieu me connaîtra comme je le connais? Une chose que nous devons comprendre, j'essaie d'aller vite et donc de survoler, en gros, parce que sinon on pourrait, voilà, ça risque d'être trop long. J'espère que vous comprendrez l'essentiel. Ce que nous devons comprendre, c'est la connaissance de Dieu, c'est ça, est dans sa loi. Je répète ça. La connaissance de Dieu est dans sa loi. Parce que sa loi, c'est le reflet de son caractère. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, quand je suis, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans le psaume 117, David va dire ceci. Le psaume 117, je
Je ferais mieux de les mettre au tableau, les versets, enfin, en projection, comme ça je gagnerai du temps la prochaine fois. Alors, verset, au psaume 117, nous lisons, « Ouvre mes yeux, verset 18, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il avait tout compris, David. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Au verset 31, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Le sentier de tes commandements. En fait, là, vous comprenez bien que David, il parle de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est son caractère, c'est ce qu'il est. Donc, quand David parle de la loi, là, on peut mettre Dieu à la place. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Nous lisons aussi au verset 96, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Je vois des limites à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Parce que la loi de Dieu est comme Dieu, c'est son caractère. Et Dieu est infini. Et c'est pourquoi nous allons passer l'éternité à approfondir cette question de l'amour. Psaume 119, oui. J'ai dit 117 ? Pardon, 119, pardon. Psaume 119, pardon, excusez-moi, lapsus. Donc, nous voyons là, ici, que la connaissance de Dieu, c'est... La connaissance de Dieu est dans sa loi, et sa loi, c'est son caractère. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons, justement, approfondir cette connaissance ? Nous allons prendre Jean chapitre 17. Mais avant, je veux juste dire quelque chose. On a parlé d'Adam. On a vu que Satan, en réussissant à pervertir leur perception de Dieu, a réussi à les conduire à la rébellion. D'ailleurs, plus dans le même chapitre 3, Ève va dire, quand Dieu va lui poser la question « Pourquoi ?», il dira « Le serpent m'a séduite ». M'a induit en erreur. Le serpent m'a induit en erreur. Donc, nous voyons qu'il y a des gens délibérément qui peuvent nous induire en erreur. Et c'est pourquoi Jésus dit souvent, prenez garde que personne ne vous séduise. Très important. Mais nous pouvons aussi être induits en erreur par ceux qui représentent l'autorité. Je prends l'exemple aujourd'hui, en tant qu'adventiste, connaissant Dieu, je mets ça avec des guillemets parce que nous devons interroger cette notion-là, quand je dis je connais Dieu. Parfois, nous avons, par rapport à ceux qui sont sous notre tutelle, des comportements qui peuvent justement altérer la perception de Dieu chez les autres. Je suis marié, je suis dur avec mon épouse, intransigeant. Je suis toujours en train de prier, je chante, je loue Dieu, je suis tout le temps au temple. Quelle perception mon épouse a de Dieu si elle n'a pas cette maturité pour savoir faire la part des choses entre la manière dont je perçois Dieu et ce que Dieu est véritablement. Sans cette maturité, ce jugement-là, cette personne se fait une idée fausse de Dieu. Nos collègues de travail, notre voisin, nos amis... Combien de fois nous nous questionnons en demandant, mais est-ce que je ne donne pas à d'autres, je ne suis pas une pierre d'achoppement, en produisant chez les autres quelque chose que je ne cherche pas à produire? Ou à l'insu de mon plein gré, d'où l'importance de me questionner, parce que, de par mon attitude, je peux donner à l'autre une mauvaise perception de Dieu. Et donc, si je donne une mauvaise perception de Dieu, ça veut dire qu'elle a une vision imprécise, déformée du caractère de Dieu. Et ça, Serge Amine, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, la question du caractère de Dieu, c'est fondamental. Quand Dieu dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est « Vous êtes une lettre de Christ » de Corinthiens chapitre 3, écrite non avec de l'encre, mais avec
l'Esprit du Dieu vivant. Quand Dieu nous dit nous sommes une lettre, c'est exactement ça. Ça veut dire que nous, si nous disons nous connaissons Dieu, notre caractère, notre façon de fonctionner doit refléter le caractère de Dieu. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2. Je dois refléter le caractère de Dieu. C'est un enjeu fondamental parce que beaucoup de gens aujourd'hui se méfient de Dieu parce qu'ils ont eu une mauvaise image de Dieu. Mais Dieu nous appelle à être la lumière du monde, à être comme des flambeaux dans ce monde des ténèbres pour pouvoir révéler la vérité sur qui est Dieu. C'est essentiel aujourd'hui. Lisez, prenez Jean chapitre... Les conséquences peuvent être dramatiques. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 au verset 2. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous voyez que une mauvaise connaissance de Dieu, au nom de Dieu, je peux faire n'importe quoi et dire que je le fais au nom de Dieu. D'aucuns, il est dit ici, chercheront à vous exclure et à vous persécuter, à vous faire mourir en rendant, en croyant rendre un culte à Dieu. C'est fou. Et étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde connecté, ça veut dire que ce que je fais, ce que je dis, ce que je poste sur les réseaux sociaux, tout ça véhicule des messages. Que j'en sois conscient ou pas, je véhicule des messages. Mais quel type de témoin? Acte chapitre 1 verset 8, vous serez mes témoins. Quel type de témoins sommes-nous? La question se pose, mes amis. Dans Jean chapitre 17, nous allons lire quelque chose d'intéressant. Au verset 6, Jésus qui parle dira ceci: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. On pourrait faire le lien avec Exode chapitre 32 ou 33, où Moïse demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Jésus va lui révéler quoi? Dieu va lui révéler quoi? En fait, Jésus, c'est vrai, va lui révéler son nom. C'est exactement ça. Montre-moi ta gloire. Et Jésus va répondre, Dieu va répondre, je ferai passer devant toi. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint. Donc ça, c'est verset Exode 32, au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Au verset 19, Dieu dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et au chapitre 34, au verset 5, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel à Moïse. Donc, en fait, Dieu dit, Moïse est en train de dire, mais ça fait un moment que nous travaillons ensemble, que je suis ton serviteur, etc. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Ça devrait être aussi notre demande, notre souhait, mes amis. Ça devrait être aussi, nous devrions aspirer à cela. Seigneur, mais ça fait un moment que je suis baptisé, que je t'ai connu, j'ai fait ces scellés alliances avec toi, mais aide-moi à te connaître mieux. Parce que le fait de rechercher à connaître mieux Dieu, c'est avoir une vision encore faite de sa loi, de son caractère. Et petit à petit, comme Marie, nous sommes transformés, comme nous dit 2 Corinthiens 3, 18, en la même image de gloire en gloire. Nous tous qui le visage découvert. Donc, en fait, la question c'est, on revient au chapitre 17, c'est, est-ce que nous avons compris ce que Jésus, quelle était la priorité de Jésus ici? Au verset 17, Jésus dit, au verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. On pourrait se demander, mais en faisant quoi?
Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais c'est quelle œuvre? C'est quoi la priorité? C'était quoi l'essence de la mission de Jésus? Au verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Nous pouvons lire au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Nous voyons là l'articulation entre la connaissance de Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la connaissance de Dieu est dans sa loi. Sa loi, c'est son caractère. Comme son caractère, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Comme son caractère est amour, donc il est dit ici, j'ai fait connaître ton nom, ça veut dire ta loi, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ça veut dire que quand je contemple la loi de Dieu, cette loi-là, qui est l'amour de Dieu, je contemple son amour. Et cet amour-là, le Saint-Esprit fait rentrer cet amour dans mon cœur. Et c'est ça qui fait que je n'entendrai pas dire « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son caractère en moi. Dieu se voit en moi. Jésus se voit en moi. Il ne peut pas dire je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que par les lèvres, mes amis, mais nous voyons que là, il faut une véritable transformation. C'est ça l'enjeu, transformation. Dans 1 Jean chapitre 2, mes pages sont complètement usées. C'est 1 Jean chapitre 2. Voilà, 1 Jean chapitre 2, au verset 3 et suivant. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Vous remarquez la question de la connaissance? Si nous gardons ses commandements, ça veut dire que quand je contemple Jésus-Christ, c'est comme si je contemplais sa loi. Je contemple son caractère, donc je contemple sa loi. Donc il est dit ici, si nous gardons ses commandements, rappelez-vous ce que disait David dans le psaume 119 tout à l'heure, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu, donc ce n'est pas du déclaratif. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, aujourd'hui, si aujourd'hui, l'Église, même si nous sommes sur une dynamique positive, je le vois, je l'observe, mais je vous encourage, mes amis, à continuer à persévérer dans cette voie. Parce que quand je connais Dieu, automatiquement, ça a un effet sur ma vie. Ça veut dire que quand je fonctionne dans l'Église, je fonctionne avec tout le monde. Je suis aimable avec tout le monde. Je respecte tout le monde. Souvent, le problème qu'on a, c'est l'orgueil. Cette personne n'était pas bien, elle a haussé le ton, et bien là, classé, terminé, on a fini. Non, nous devons demander à Dieu de mettre en nous un cœur pur. Ce cœur pur qui va nous permettre d'aller voir la personne, dire, ma soeur, tu m'as répondu comme ça, mais non, j'étais fatigué. Ok, c'est réglé, terminé. Nous essayons, nous avons compris que nous devrions, dans Proverbes chapitre 4, nous lisons, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, chers amis, si aujourd'hui nous voulons être des serviteurs de Dieu, qui avons cette connaissance de Dieu,
Si nous voulons arriver à cela, aujourd'hui, nous devons faire une priorité dans l'examen de notre cœur. Et l'examen de notre cœur va nous... Enfin, comment dire, nos relations interpersonnelles vont être des indicateurs sur l'état de notre cœur. Je répète ça. Quand nous allons examiner avec un esprit critique, ce n'est pas être complaisant en disant tout va bien, alors que ça ne va pas bien. Quand nous allons nous examiner, nous verrons si effectivement l'état de notre cœur est conforme à ce que Dieu veut. Et c'est ainsi que nous allons mettre en œuvre ce que nous lisons dans Jean chapitre 17. Je vais terminer avec ce passage. Au verset 21, nous lisons « Afin que tous soient un », je prends la partie du verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme moi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, parce que pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Chers amis, ce verset-là, il est essentiel. Ça devrait être l'objet de notre méditation. En fait, le texte est en train de dire notre crédibilité aux yeux du monde dépendra de notre unité. Que tout soit un. Notre crédibilité aux yeux du monde, pour ne pas donner au monde une mauvaise perception du caractère de Dieu, notre crédibilité aux yeux du monde, parce qu'il est dit ici au verset 21, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et nous lisons à peu près la même chose au verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Vous voyez que ce témoignage-là, c'est un signe. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Jean chapitre 13 au verset 35. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autrement dit, tous ces passages confirment une chose. Nos relations, les relations que nous aurons entre frères et sœurs vont traduire aux yeux du monde, vont exprimer aux yeux du monde notre crédibilité, la crédibilité de notre message, ou nous discréditer. C'est tout à fait ça. Donc, je pense que nous venons ici, jour après jour, sabbat après sabbat, c'est pour que nous puissions, aux yeux du monde, envoyer un signal fort pour que ces bancs-là, les bancs vides qui sont là, ne soient plus vides demain. Je répète, je m'attendais à un amen à ça, un amen d'association pour dire que nous devrions désormais avoir comme priorité que nos relations soient de telle sorte que nous n'aurons plus besoin de faire des campagnes pour que ces bancs qui sont vides aujourd'hui soient pleins, soient occupés. N'êtes pas très convaincu. Seigneur, chers amis, je vous demande de prier pour moi. Et moi, de même, je prierai pour vous, pour qu'ensemble, nous puissions arriver à donner cette image de l'Église. Parce que cela, c'est fondamental. Tout le reste, comme dit Jésus, parce que tout ce que nous pourrons faire autour, c'est bien. Ce que Marthe faisait, c'était bien. Oui ou non? S'occuper, on ne peut pas dire que s'occuper des tâches domestiques, ce ne sera pas bien. Mais Jésus va lui rappeler, une chose est essentielle. Donc nous, en tant que communauté, est-ce qu'on fait beaucoup de choses? C'est vrai. Mais Jésus nous rappelle, comme à Marthe, une chose est essentiel. Puisse le Seigneur nous aider dans
la compréhension de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui à connaître véritablement Dieu. Nous voulons dire merci à Gaël pour ce rappel. Connaître Dieu, renforcer notre relation avec lui, être comme Marie au pied du Maître, et que rien ici-bas ne nous détourne de notre destinée éternelle. Fixons les yeux sur le Maître. C'est la raison. Père éternel, nous voici inclinés devant toi pour te remercier de ta présence au milieu de nous. Vois, Seigneur, notre désir de vouloir nous conformer à ta volonté. Façonne-nous, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à revisiter nos priorités afin que nous puissions contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et que par ta grâce, nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Oui, Seigneur, envoie-nous avec l'assurance que cette semence que tu as mise dans nos cœurs en ce matin, que tu as mise dans nos cœurs en ce matin, produira du fruit jusque dans l'éternité. Envoie-nous, Seigneur, avec ta bénédiction, ta grâce et ton pardon. Et fais du bien à cette communauté. Nous pensons à toutes les familles qui ne sont pas présentes en ce matin. Puisse tes bénédictions descendre sur elles en abondance.
n'entre pas en jugement avec nous, Seigneur. Mais aide-nous à prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard. C'est là la prière que nous t'adressons en Jésus pour ta gloire. Amen. Gardons notre position. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse grâce. De respecter les règles de sécurité, de sortir dans l'ordre, de sortir avec révérence et de partir, partager le message que nous avons reçu, le partager avec nos amis, nos collègues, nos voisins, nos parents, car il ne faut pas que nous gardions cette parole que pour nous, nous sommes des témoins. Seigneur, par ton esprit, à partager la vie.